présent, j'ai reçu un petit message de Yons qui me dit « Oui Marie, donc du coup si tu veux on peut t'offrir quelques petites fringues gratuites, est-ce que tu veux, en échange tu fais une petite vidéo sur la chaîne mais tu testes nos fringues etc. » Suite à ça, comme tous les ans, j'ai répondu « Bah ouais, pourquoi pas ?» Et donc hier j'ai reçu un petit colis complètement écrasé dans ma boîte aux lettres. C'était ça, voilà. Du coup j'ai ouvert le colis, j'ai essayé les fringues et il y a des pépites. Que ce soit dans le positif et même dans le négatif. Je vais te montrer tout ça, je vais te dire les prix, je vais te montrer les photos initiales et je vais te dire tout simplement à la fin ce que j'en pense. Évidemment, pour la plupart des vêtements, je te ferai un try-on haul, donc du coup, je te montrerai une vidéo de moi où je porte les petits habits. Pas tous, hein, parce qu'il y en a certains, c'est juste pas possible. En commençant par ça, du coup, parce que c'est mon pyjama préféré de tous les temps, je crois que c'est ce que je préfère le plus dans cette commande. En fait, c'est un peu comme un pull et un bas de jogging comme ceci. C'est pas du tout en matière jogging, comme tu vois, en fait c'est matière maille et du coup c'est hyper 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 confortable. Sauf que je pourrais pas te le montrer porter tout simplement parce que bah on voit tout à travers. Là déjà je pense qu'on doit voir bah, tout simplement la couleur de mon soutif alors qu'il est blanc. Du coup je te laisse imaginer mes fesses, voilà. Sinon franchement il est top ce petit pyjama, enfin, moi je le porte en tant que pyjama. Le seul détail, ouais, le truc que j'aime pas trop c'est que en fait il s'arrête là. Du coup bah j'ai un peu froid. Il coûte sur le site 32,95$ et franchement bah, je regrette pas, il est grave cool, j'adore, je le mets tous les jours maintenant en tant que pyjama. Non ouais, premier article validé. Je te laisse voir une photo de ce que j'ai commandé et ce que j'attendais le plus dans cette commande. Voilà, donc là tu vois cette merveilleuse veste moumoute, magnifique, beige, qui a l'air mais tellement confortable et juste énorme. Et en fait je l'ai commandée parce qu'il y a 2-3 ans j'avais commandé une moumoute en fait qui est comme ça et que je porte mais H24. Pour aller à l'école je mets ça, pour aller au travail je mets ça, pour aller faire les magasins je la mets. Enfin c'est pas une veste qui est très très classe, à la base elle était classe mais du coup elle s'est un petit peu détériorée, c'est pour ça que j'ai décidé bah, d'en prendre une autre. Voilà ce que j'ai reçu. Est-ce que tu vois la qualité de cette chose? Je pourrais même pas te dire que c'est un gilet parce que je vois même en tant que gilet en fait ça se porte pas. J'aime pas du tout et c'est une déception mais énorme parce qu'en plus de ça c'était un article que j'attendais tellement mais c'est par rapport à... Putain mais je suis déçue. Par rapport à la moumoute en fait, regarde, enfin tu vois ça sent que c'est consistant, c'est... Tu vois regarde là je fais un... J'allais dire un bourrelet. Je fais un ourlet tu vois, regarde, voilà tu vois c'est quand même assez consistant. Voilà. Du coup, je suis extrêmement déçue de cette veste qui coûte quand même 19,95$, mais surtout qui ne rendait pas pareil sur la photo. Ensuite, j'ai commandé un magnifique serre-tête. Bon, bah, du coup, c'est plus du tout Noël, hein, parce que j'ai reçu la commande bah, le 10 janvier, donc bon, voilà. Il coûte 1,95$ sur le site, et moi, j'adore. Je suis la plus grosse des plus grosses pigeonnes qui existent pour ce genre d'accessoires. J'ai commandé un jean, j'ai tenté le diable, effectivement, et je crois que le diable n'est pas très content, hein, parce que j'ai pas reçu exactement ce que j'avais commandé. La photo du jean de base, elle est là, voilà, manufactured, hyper tendance, hyper machin, j'adore, je kiffe. Donc déjà, dès le haut, en fait, tu vois que c'est pas de la qualité de fou. À l'intérieur, c'est pas extrêmement... C'est même pas une matière jean, en fait, c'est une matière stretch, on dirait presque une matière leggings. Tu sais, c'est genre les leggings, en fait, qu'on mettait au collège, où genre, ça faisait genre c'était un jean, tu vois, genre, bah, j'ai jamais porté ça, hein, mais il y avait des gens qui portaient ça. Mais je pense que le principal problème bah, de ce pantalon, tu le vois très bien. On peut me rentrer 4 fois dedans. Pourtant, j'ai pris exactement ma taille. Il y a d'autres bas qui arrivent après qui sont totalement à ma taille. Mais ce jean, je sais pas, il y a eu un petit souci. J'ai pris une taille M, donc du coup un 38. Et normalement, enfin moi j'ai reçu des bas en 38 qui me vont très très bien. Et celui-là, ben non. Donc cet article n'est évidemment pas validé. Ah, une note un peu plus positive. J'ai pris un petit body. Bah à la base, je savais pas du tout que c'était un body. Mais quand je l'ai reçu, bah... c'était un body qui est bah, d'une qualité assez stretch. Je pense que tu le vois, ça s'étend énormément. Franchement, il est vraiment vraiment pas mal. Moi, en tout cas, j'apprécie beaucoup. Là derrière, il y a un petit truc comme ça qui permet de voir un petit peu le dos et j'adore. Le principal problème que j'ai eu avec les bodys sur les sites chinois, c'est que bah, c'était bien en haut, mais en bas. Enfin, en fait, on aurait dit que mon corps n'était pas normal. Il n'y avait jamais assez de longueur pour que mon corps rentre entièrement à l'intérieur. C'est-à-dire que ça me serrait au niveau du bas, quoi. Et celui-là, franchement, parfait. J'ai rien à dire. En plus de ça, il y a des boutons à pression, donc ça, c'est génial. Les boutons ont l'air de qualité vraiment... Enfin en fait c'est vraiment, enfin c'est du tout au tout quoi. Cette qualité elle est vraiment ouf par rapport par exemple au jean ou à la moumoute. Après il y a quand même des petits fils qui partent à droite à gauche mais les boutons sont bien faits, la qualité est cool, les motifs sont jolis. Après je l'ai jamais porté une journée entière mais je pense qu'il y aura pas de soucis quoi. Franchement il a l'air sympa. En plus de ça il coûte que 12,99$ et franchement il est vraiment top pour les fêtes. En tout cas j'aurais bien aimé l'avoir pour le jour de l'an ou pour Noël parce que franchement il est super sympa. C'est validé pour le troisième article. Je pioche quelque chose au hasard. Ah,
Je sais pas ce qui m'est arrivé lors de la commande, mais j'ai voulu me la jouer un petit peu Catwoman. C'est un petit top comme ça en fait, en simili, qui peut rendre vraiment hyper bien, je pense, porté. Mais lors de la commande, en fait, à chaque fois que je commande des crop tops ou des trucs comme ça, au niveau des seins, ça ne me va jamais. Donc là, je me suis dit que j'allais prendre une taille M, donc il me semble que ça équivaut à du 40. Et ça me va 3 fois trop grand, voilà, mes seins peuvent y rentrer 400 fois dedans. Même au niveau du tour de taille, c'est hyper grand quoi, genre vraiment, on peut y rentrer 4 fois ma taille. Après, il est joli, franchement, je pense que j'ai rien à dire, la qualité est top, les finitions sont jolies, y'a rien qui dépasse dessous, enfin vraiment c'est top quoi. Ça peut rendre vraiment vraiment bien, mais malheureusement, bah voilà, c'est pas ma taille. Ce petit top est à 10,99$ et franchement, bah il est bien, mais j'allais dire il est top. Je vais piocher du coup un autre article. Oh oui. Donc j'ai commandé une robe pull qui à la base du coup devait être comme sur cette photo affichée juste ici à l'écran. Mon dieu, la magie du montage, qu'est-ce que c'est merveilleux. Et j'ai bah du coup reçu cette fameuse robe. Ou plutôt quelque chose qui doit y ressembler. Mais juste regarde la matière. Déjà c'est hyper transparent, je pense qu'on est d'accord, on voit carrément l'étiquette en dessous. Mais la matière ça fait genre combi de plongée quoi. Moi je m'attendais à recevoir une robe pull bah du coup en tissu ou en coton. Enfin peut-être pas du coton parce qu'on va pas abuser hein, c'est des sites chinois. Mais bon enfin je veux dire je m'attendais quand même à recevoir quelque chose en tissu quoi. Là c'est sûrement du tissu mais je sais pas ce que c'est comme tissu mais c'est pas possible hein, de porter ça. 85% polyester et 15% coton. Enfin bref, j'apprécie pas du tout du tout cette robe. Elle ne me va absolument pas. Et sur le site, je suis choquée comme elle ressemble pas du tout à ça. Je suis sur la page du site là, elle coûte 14,99$ mais elle ressemble pas du tout à ça. Il y a même un col roulé, il y a même pas de col roulé sur ça. C'est pas du tout la même robe, hein. Je suis désolée, ils se sont trompés. Enfin, je pioche dans le sac, espérons avoir de la chance. C'est un petit top qui est en maille, enfin style maille en fait. C'est pas un petit top, hein, c'est genre un pull. Il est comme ça et la photo, donc je te mets l'insertion de la photo juste ici. Il coûte 12,99$ et franchement, enfin en fait sur la photo j'adore, je trouve ça trop mimes. Et même la qualité elle est bien quand même. Franchement lui il est pas mal, genre c'est doux, c'est... Voilà, ça se voit que ça ressemble un peu plus à du coton que la robe que je t'ai montrée avant quoi. Le seul truc qui me dérange plus ou moins en fait c'est la bande de devant qui est mais archi transparente. Je l'ai pris encore une fois en taille M. En fait j'ai tout pris dans ma taille, hein. J'ai pris ça en taille M. De toute façon j'ai tout pris en taille 36-38 ou 38-40 pour les bas. On va continuer dans notre petite lancée avec une veste. J'ai pris du coup un trench. Les gens vont croire que je suis là pour les démonter, pour démonter la marque, mais regardez mes différents hauls de chez Yonce. Franchement, il y a des fois, je suis archi contente. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, l'année dernière, j'avais été hyper satisfaite de leur commande et je suis pas... Du coup, c'est un trench couleur camel que j'ai pris qui, en fait, n'a pas forcément de forme. Il est archi léger, c'est-à-dire que, en fait, ouais, c'est un petit peu une veste, mais hyper légère, quoi. Ça ressemble pas au trench qu'on a l'habitude de voir, hyper épais, que tu peux porter, que ça fait classe, etc. Là, pas du tout. En plus de ça, faudra que j'essaye de le repasser parce que là, il est hyper, comment dire, bah, pas repassé, quoi, il est froissé. Je sais même pas comment le montrer parce qu'il est énorme, mais de toute façon, tu verras dans les vidéos portées comment ça donne, comment ça rend, plutôt, parce que c'est un peu plus français. Je trouve que, vraiment, c'est, enfin je sais pas, la forme mais pas en valeur, c'est assez froissé, il est vachement léger, je m'attendais pas du tout à ce genre de tissu. Surtout qu'il y en a pas mal sur le site et j'en ai pris un qui est plutôt cher, enfin je veux dire qui est assez, voilà, il est pas donné quoi. À ce prix là, tu pourrais en avoir un chez Bershka ou chez, je sais pas moi, Stradivarius ou chez Pull&Bear quoi. Il coûte 26,99$ et ouais, je suis un petit peu déçue quand même. On va passer du coup à un prochain article et c'est une jupe. Je vais la reboutonner quand même pour que ça ressemble à quelque chose parce que sinon tu vas pas voir grand chose. Bon, j'ai pas fermé un bouton parce que j'avais la flemme, mais en gros c'est une jupe marron en velours côtelé avec une petite ceinture très très mignonne qui s'accroche comme une ceinture. Elle est très jolie, la qualité est vraiment pas mal, c'est pour ça que je te dis que je comprends pas pourquoi il y a d'autres articles où la qualité elle est aussi... Enfin pour moi ça me choque en fait parce que je comprends pas comment tu peux passer d'une qualité à une autre qualité comme ça en deux articles quoi. Les finitions sont vraiment top, elle est lourde, elle est épaisse, elle tient chaud, enfin vraiment ça va quoi, elle est vraiment pas mal. Après elle est exactement comme sur la photo, je l'ai pris en M, elle coûte 16,99$, faut pas non plus s'attendre à des mondes et merveilles à ce prix là. Mais franchement je trouve que la qualité correspond totalement au prix, c'est une jupe qu'on aurait pu trouver chez Bershka ou Jennifer à ce prix là. On prend un autre article dans ce petit colis qui approche à sa fin. Est-ce que ça voulait dire quelque chose? Absolument pas. C'est un pull gris comme ceci. Je le trouvais hyper mimi sur la photo. Je vais t'insérer de nouveau la petite photo portée du site. Je la trouvais vraiment trop belle. Et la qualité est vraiment pas mal. On voit un petit peu à travers, c'est ça qui me saoule. Mais bon, après, il est vraiment top. La couleur est très très jolie. Il est pas très crop top. J'avais peur qu'il soit un peu trop crop top parce que sur la photo, la meuf, elle le porte. Il lui arrive au niveau du nombril. Moi, ça va. Franchement, je suis hyper satisfaite. Je l'ai pris en M aussi, j'imagine. Franchement, je suis contente. Celui-là, ça va. Il est vraiment top, il est vraiment cool. Et je sais pas combien il coûte, je vais te dire. Il coûte 20,99$. Et franchement, je suis hyper satisfaite. En tout cas, je suis contente. Je trouve que ça va. Il est joli, il me va bien, il tient assez chaud. Et ben, je suis totalement satisfaite.
Ah ouais, ça aussi c'est un de mes coups de cœur de la commande, elle est trop trop belle. Franchement, s'il y a bien un truc où je mise pas grand chose sur les sites chinois, c'est du coup les jeans, les bas et surtout les robes. J'ai jamais réussi à trouver une robe en fait qui était pareille sur la photo qu'en vrai, comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a toujours quelque chose qui couaque en fait, soit la matière, soit la taille. Mais celle-là, franchement, agréablement surprise, voire même très 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 agréablement surprise. Je la trouve mais super belle quoi, en fait c'est une robe marronnée comme ça, avec un petit tout que tu mets derrière là. Je sais pas si tu vas pouvoir bien voir parce que c'est un petit peu tactique, hein. C'est technique de mettre des robes comme ça. Et ensuite du coup elle termine comme ça, elle est assez longue, enfin, elle m'arrive au niveau un petit peu en bas des cuisses vers les genoux. Il y a une petite ceinture pour resserrer à la taille et je la trouve mais magnifique. Elle coûte 14,99$ mais je les mettrai 100 000 fois pour avoir des habits comme ça. Le décolleté il est parfait, il va exactement à ma petite morphologie de poitrine. Elle est pas trop courte, elle est pas trop longue, elle est pas transparente. Il y a tout qui va sur cette robe et du coup bah, je suis trop contente, vraiment trop 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 contente. C'est vraiment, après mon pyjama, c'est mon article favori de la commande. Ensuite, j'ai commandé une petite bralette comme ceci, donc noire en dentelle avec des petits trucs à l'intérieur, donc des, je sais plus comment on appelle ça. On peut enlever sur le côté, elle est vraiment belle. Après, évidemment, comme toujours, j'ai soit je la surestime, soit je la sous-estime la taille de ma poitrine. Hein. Là, pour le coup, je l'ai sous-estimée puisqu'il est un petit peu petit au niveau de là. Mais vu que c'est une bralette et que ça s'arrête pas là, bah, du coup, ça se voit pas trop que c'est petit, donc ça va, ça me plaît, c'est super joli. Après, elle est vraiment trop trop belle. Franchement, elle est jolie. Derrière aussi, elle est belle, elle est toute en dentelle, les bretelles sont réglables. Enfin, vraiment, j'ai rien à dire. Je l'ai pris en 40 quand même, donc comme quoi tout à l'heure le top en simili cuir qui était en 38 il m'allait pas parce qu'il était trop grand et ça c'est trop petit. Moi je regarde beaucoup les avis et beaucoup le guide détail en fait, parce que pour chaque article le guide détail change, donc du coup il y a des fois tu fais du 36, des fois tu fais du 42, tu sais pas. Mais pour le coup bah, cette bralette je la kiffe, elle coûte 11,95$, c'est pas donné mais honnêtement je les remettrai si je dois avoir un article comme ça. C'est pas du tout transparent, ça soutient bien en plus de ça et puis tu peux le mettre sous plein de fringues en fait, je trouve ça vraiment magnifique. Évidemment je te la montrerai pas portée, on va pas quand même aller jusque là hein. Et pour finir, du coup, j'ai commandé un truc très intéressant. Des petits seins en plastique. En fait, c'est un genre de soutien-gorge adhésif, mais sans bretelles. Alors, j'ai toujours vu ça sur... Ça fait longtemps que c'est à la mode, ce genre de truc. Et honnêtement, ça va. Franchement, je les ai essayés. Bon, ça, t'imagines bien que je ne te le montrerai pas, hein, voilà. Mais ça va, franchement, c'est pas mal. J'ai pris une taille C, ça me va très bien. Alors, voilà, c'est A, B, C, D, E, hein, voilà. Tu vas pas chercher plus loin. Plutôt satisfaite de ce genre de truc. Après, faut voir. Je pense que ça peut servir quand même sous des robes ou des trucs où on voit ton dos, etc. Moi, c'est surtout ça qui me gênait, en fait. C'est parce que j'ai des hauts où on voit beaucoup mon dos nu. Sauf que, bah, avec les trucs du soutif, c'est hyper moche. 3,95$ et franchement bah, je suis pas déçue. Après je sais pas combien de fois je pourrais l'utiliser parce que vu qu'on enlève le plastique, on remet le plastique, on enlève le plastique, on remet le plastique. Bon bah les gars, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Mon avis il est relativement mitigé, voire même surtout mitigé. Je vais pas te dire que je suis mitigée parce que franchement il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs. Merci beaucoup à Yons de m'avoir envoyé ces fringues, c'est toujours un plaisir de collaborer avec vous, mais alors là honnêtement c'est la première fois que j'ai autant de déceptions. Je suis pas totalement fan de ce que j'ai reçu, soit c'était pas à ma taille, soit la qualité elle était vraiment pas du tout au top. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu es content d'avoir du coup partagé ce petit moment avec moi. Merci encore à Yons de m'avoir envoyé toutes ces fringues et j'espère que vous allez pas être trop vexés que j'ai dit tout ça de vous, mais bon moi je dis la vérité. Je vous fais plein de gros bisous et puis ah oui, c'est vrai, effectivement, bonne année 2020. Que du bonheur, que des bonnes choses, de l'argent, surtout de l'argent, mais des bonnes choses quand même, la santé c'est primordial aussi. Plein de gros bisous, prends soin de toi.